Allez, heureux et salut à tous pour ceux qui reprennent de court les aventures de God of War, l'épisode 9 cet après-midi. On vient de faire le 8 ce matin. Sans plus attendre, on y retourne. Hein, le jeu est déjà prêt. On perd pas de temps. Donc juste avant, on vient de se faire un bel affrontement. Ah. On va brancher la manette. Désolé. Je souhaite. Allez, donc du coup on avait un fight à faire là, juste à côté, qui me semblait de grosse augure. Flèche électrique, on n'a pas de rage, on est à fond de vie. Allez, on y va. C'est une créature dangereuse. On va s'en occuper à deux. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ça va être super dur. Hein, très rapide. Très rapide et très dangereux. Il me fait perdre énormément de santé. J'ai pris 3 coups, je crois. Donc en trois touches, je suis fini. Yo, mon baba. Toujours là. Impeccable. Bon, comme tu le vois, on est mal barré, hein. Alors on va pas non plus trop s'éterniser dessus. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, on reviendra. C'est fort dommage. J'ai pas envie d'attendre. Je vais pas farmer de la rage. Mais pourtant ça pourrait bien me servir. On va tenter autre chose. On va tenter le faucon qui électrifie nos ennemis. Alors c'est parti. Aïe 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 aïe, sa charge est... sa charge est immense. Bon. Pour tout dire, je crois que c'est inespéré. Je le retente encore une fois. C'est dommage parce que le début est pas mal, mais bon, un tiers de sa vie, c'est pas ouf. L'enchaînement du début, faucon plus plus LR2 et L1 R1, c'est pas le top. Alors, on a dit ça. On a dit ça. Très 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 rapide. Voilà. Pour dire que c'est peine perdue, hein. Ah, c'est fini. Et oui, il est nettement plus fort. Bah, ils sont deux. Ils sont deux.
L'ennemi d'avant jouait sur la défense via son bouclier et puis il me mettait des gros coups d'épée, mais encore il était très lent. Alors que là je me retrouve face à deux sortes de loups-garous. Et leur agilité et son nom par rapport à l'ennemi d'avant, ouais. Je pense que je vais devoir récidiver plus tard ce combat. J'ai beau réfléchir. On y retourne. Bon, il y en a un qui est... Aïe, 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 aïe. Et voilà. Non, mais vous pouvez clairement constater que c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine. Donc on va avancer. C'est pas grave. C'est un combat qu'on peut facilement retrouver un peu après dans le jeu, je pense. Bah, je l'espère. Sinon, tant pis. Mais là, c'est peine perdue. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que la frustration de ne pas pouvoir justement accomplir le défi dans l'instant, d'être obligé d'y revenir plus tard. C'est assez pénible. Donc on avait dit par là, c'est pas la peine. Parce que c'est fermé. Donc on prend le large. D'accord. Le mariage entre Odin et Freya n'a pas duré. Aller vivre en ermite dans Et les bois. c'est cet endroit-là. De toute façon, on pourrait y revenir parce que, étant donné qu'on a comme si le mariage une était pas porte à une ouvrir. condition suffisante. Il ne méritait pas d'une femme comme Freya. Elle a essuyé toutes sortes d'affronts au nom du maintien de la paix et de la sauvegarde de son. Alors, notre objectif est là-haut. Nous, on est là. Il faut. Ouais, voilà, il faut passer en dessous. La folie d'Odin, sa tyrannie. L'usage corrompu qu'il faisait de sa magie, c'était plus qu'elle n'en pouvait supporter, et elle finit par le quitter. La colère d'Odin fut immense, et ses châtiments excédaient tout ce qu'elle aurait pu redouter. Mais sa magie était plus puissante que la sienne. Après tout ce temps passé près d'elle, il connaissait ses faiblesses, et s'en servit pour lui jeter une malédiction qu'elle ne pourrait rompre. La rosée de l'arbre monde. Force plus 2. Il la priva de son esprit combatif. Freya. De manière permanente. C'est-à-dire qu'on a pris plus 2, c'est ça, hein? De toute façon, c'est pas quelque chose que je peux rajouter. Objets spéciaux. Elle ne put plus se battre, pas même pour se défendre. Elle ne put blesser aucun être vivant, ni par le fer, ni par la magie. Dans un monde si belliqueux, quel autre choix lui reste-t-il alors que la... Allez, voyons ici. Pauvre Freya. À sa place. T'aurais craché dessus aussi. Et nous avons encore un défi. Mais apparemment, c'est tout ce qu'on a. Parce qu'on peut pas aller. Ah si, on peut aller plus loin là. Allez, on tente.
Donc là, on est sur un ennemi de niveau 6. Ça a l'air d'aller. Ou pas. Ah, ça esquive dur. Ça esquive dur. Ah là là là, et puis ils sont deux, donc j'ai pas le temps de... C'est raide, hein. C'est raide. Mais ceux-là, ça se tente un peu plus. Ah, je ne peux pas. Ah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, ils sont très forts. Ils sont très très forts. Ah, ça veut pas, hein. J'ai l'impression que ça fait un peu comme... On les a déjà un peu croisés ceux-là. Sors de là, sors de là. Ouais, c'est impossible. Voilà, pareil. Quand ils sont deux, c'est dur, car aussi... Il y a... Oui, 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 carrément. Là, très clairement, j'ai un champ de bataille qui est pas très espacé. Et du coup... Bah si j'en esquive un, il y a le deuxième qui te refonce un peu dessus, et ainsi de suite. Donc, on va laisser ça de côté. Encore une fois, ça fait deux échecs en 5 minutes. Waouh. Waouh. Alors j'ai l'impression qu'on est dans une zone en fait qui est relativement compliquée quand même au niveau des combats. Hein. Regardez, même les niveaux 4 en fait sont super résistants. Pour,
pourtant ça cogne sec hein, pourtant mais. Bon, celui-là, il perd quand même de la vie, hein. Faut. Mais moi aussi. Mais il joue très bien de son arc et. Et ça m'aide énormément. On va essayer de vite le tuer avant que l'autre me revienne sur les. Qu'est-ce qui se passe? On voit plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça pue. Ah, il lui restait même pas un millimètre de vie. Tellement frustrant. Wapapapapapapapa. Je lâche pas. Alors s'il faut commencer par ça, déjà un hôtel. Il devrait y en avoir. On a vu le deuxième hein, dans la zone là-haut. Et le troisième devrait se trouver. Pas plus loin qu'ici. Non, pas par là. On va se mettre en hauteur pour observer. Ouais.
Je sais pas ce qu'il faut faire dans ces moments-là. Est-ce qu'il faut que je mette le bouclier ou est-ce que... Ah, je te laisse le temps de rien du tout. Ok. Allez. Ok. Tu n'as pas répondu à la question d'Atreus. Comment le nain est-il devenu un dragon ? Je n'en suis pas certain, mais je suppose que sa tendance à voler des artefacts magiques n'y est pas étrangère. Il a dû dérober une babiole de croix à une déesse vague. Allez, 2-2. Ça, c'est fait. Ça, c'est OK. Alors, il y a un coffre caché par là. Ah là là, pardon. Et 2-3. Je l'ignore. Les choses ont changé depuis qu'on ne s'est vu. J'avais des jambes. Viens voir ici. Ok, ok. Et ok. Donc je crois qu'on est pas mal. Hein. Je crois qu'il ne reste plus qu'à foncer. Et à libérer le dragon. Qu'est-ce qui me tape là ? Pardon, je suis pas prêt. Ah là 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 là, qu'est-ce qui se passe ?
Allez, 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 allez. Et mince. Et mince. Malheureusement, fin de combat, c'est le dragon qui me tue. On va y arriver. Ok. Voilà, vil petit être. Eh bien, devenir un dragon n'a pas arrangé son caractère. Ok. Super. Un truc en plus de fait. Il y avait pas mal de choses à ramasser, mais a priori c'est bon. Là où le coffre c'est bon. Bon, bon, on a fait le tour de cette zone. On est comment là? On n'est pas ouf, hein. On n'est pas ouf. On se le tente une fois, sinon on continue l'aventure. Ah, ils sont protégés de chez protégés. Hein. Ah, je suis coincé. C'est vrai que c'est bien. Alors lui il est bloqué là-haut. Alors c'est soit je vais la jouer à la dégonflette. Et j'attends gentiment. Thank you.
Bon, c'est pas très élégant, mais ça fonctionne. Allez, voyons ce que j'y gagne. Voilà, comme d'hab. Ouais. Ok. Bon, bah, on continue. Donc je sais plus ce qu'il y avait là-haut. Ah, le conseil des Valkyries, oui, d'accord, ok. Non mais on va pas, on va faire ça. Il y avait une fresque consacrée à une géante, avec plein de livres et des visions. Il s'agit de Groa, la gardienne du savoir. C'était une grande sorcière qui rassemblait tous les tomes des arcanes qu'elle pouvait trouver dans les royaumes. Et ce, afin d'accroître ses pouvoirs prophétiques et de retrouver son époux disparu, Orvandil. Ou je peux te raconter cette histoire plus tard. Tu as été arraché à ce royaume trop tôt. Vous qui marchez parmi les vivants, ma bien-aimée Goulvé m'appelle. Elle aspire au repos. Mais sa dépouille est incomplète. Je vous en prie, reconstituez-la. Tu veux qu'on récupère ses os? C'est dégoûtant. La magie Seistre de Gulvig n'a pas de limite. Elle peut vous réunir avec ceux que vous avez perdus. Vraiment? Comment? Atreus, je sens ton chagrin, mon enfant. Mais n'aie crainte, sa magie est assez puissante pour créer des ponts entre la vie et la mort. Du moins, temporairement. Atreus, nous partons. Ils ont pris trois des eaux de Gulvig et les ont disséminées autour du lac. Apporte-moi ces eaux, mon enfant. Gulvig te récompensera. Ok. Encore une quête annexe qui s'est rajoutée. Donc oui, le jeu... est compliqué, bah il y a des phases en fait. Il y a des phases où des fois les ennemis sont assez simples. Mais il est super chouette quand même. Ça vaut vraiment le détour. Graphisme, décor, enfin l'univers est très très plaisant. Je veux dire, si t'as passé une sale journée au boulot, eh bien tu... On devrait peut-être rechercher ses os. Pourquoi? Tu l'as pas entendu? On pourrait parler à mère. Si on regarde bien... Regarde tant que tu veux, Atreus. Je ne me laisserai pas distraire par cette quête futile. Si t'as passé une sale journée au boulot ou si t'as envie de te défouler, je pense que ça peut... Ça peut valoir le détour, ouais. En tout cas, les scènes de... Qu'est-ce que c'est? Je suis content que tu me demandes. Laissez-moi vous conter une histoire. Autrefois, vivait un géant du nom de Tamur. C'était un géant immense. Mais malgré sa très grande taille, c'était le meilleur tailleur de pierre que le monde ait jamais connu.
De fiers tamurs espéraient un jour transmettre son vaste savoir à son fils. Mais le jeune Rimtur rêvait de devenir un guerrier. Le père avait peut-être trop de peur de lui, ou le fils pas assez. Toujours est-il qu'une dispute éclata entre eux et dégénéra, et le tailleur de pierre, surmené, frappa son fils. Rimtur s'enfuit dans la nuit. Empli de honte et de remords, Tamur courut pour rattraper son fils, mais dans son tourment, il se retrouva vite seul et perdu dans Midgard. Malheureusement, il rencontra la seule personne qu'il valait mieux ne pas croiser seule la nuit, si loin de chez soi. Thor. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu vas voir. Thor l'a tué. Oh non, il est tombé sur un village. Oui. En tombant, Tamur a écrabouillé un charmant petit hameau qui vénérait le dieu Van, Njord. Thor s'est toujours vanté de l'avoir fait exprès, mais la vérité, c'est que ce soifard a juste eu un coup de chance. Kenor. Ennemi droit devant. Avec Vulton, on va dire pôle sud. Un Wolver. C'est une créature dangereuse. On va s'en occuper à deux. Je suis avec toi. Dis-moi quand. Wolver derrière toi. Ok, donc on revient un peu sur l'ennemi qu'on a croisé tout à l'heure. Mais en mode tranquille. Scellé avec de la magie, je le crains. J'aurais pas dû le ramasser. Salut N3, comment vas-tu? A retrouvé sa force. Alors, voyons ça. Ok, j'ai compris. Ça va, merci. Ça va. Ça joue, donc ça va. Et toi? Ah oui, bah, tu m'as dit bien, mais... Ça va, la semaine se passe bien? On est jeudi, J-2 avant le week-end. Tu m'as dépassé? Comment ça, tu m'as dépassé? En quel honneur tu m'as dépassé? Tu reconnais ce passage? Géant de glace. Légèrement plus loin. Il est mort, son dernier souffle. C'est un léger ou c'est un bon léger? T'as joué toute la semaine ou quoi? Elle est bien verrouillée. Donc le week-end. Mais
Mais non, mais je vais pas me chercher d'excuses, mais... Mais je passe énormément de temps à explorer. Mais pas que sur le cheminement principal, hein, pas que sur l'histoire. Je bouge dans tous les sens et je remplis pas mal de quêtes annexes. Je ramasse des objets. J'ai libéré mon deuxième dragon juste avant. Enfin voilà, je... Potentiellement, je suis quand même pas mal. Hein. Ah bon, léger. D'accord, bon écoute. Ça se trouve, aujourd'hui je t'aurais rattrapé en serait ex-écho. Fais pas la course, mais presque, hein. Armure défensive consolidée qui favorise les runes. Allez hop, on s'en fout. C'est le fameux géant. D'accord, ok. À une heure. De quoi à une heure? Le voilà. Trouve la pointe de ce burin. Il nous faut sa magie. Effectivement, le géant est géant. Mais si lui il est là-bas, c'est quoi ça? Quand tu veux. Son bras? Ennemi là-bas, d'accord. Attends, laisse-moi fouiller un petit peu avant. Une heure de live. Ok, bah ça tombe bien, je vais jouer deux heures. Non, mais je perds énormément de temps à faire tout ce qui est annexe. Enfin, je le... Il faut absolument qu'on arrive à se débarrasser de lui, voilà. Pour pouvoir m'occuper aller à toi. Le dragon est mort. Bah toi t'as eu le dragon aussi, c'est ça que tu dis? Allez. C'est quoi que ça? Sympathique ce truc là. Là. Ah, j'en ai un derrière moi. Bon, je pense qu'il y en aura jusqu'au bout, donc va falloir faire preuve de vigilance. Allez, 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 ouvre, 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 ouvre. Bah écoute, pas de soucis, une 3, oui, on va voir. On va voir.
Pour l'instant, ça va. Il y a juste un portail qui m'a un peu... qui m'a un peu freiné, mais parce que le... Les monstres qui sont à l'intérieur sont vraiment très très forts, mais... Bon, là, je les joue un peu kamikaze, hein, mais... Voilà, il me restait que ça. Augmente de 50% la résistance aux dégâts de givre. Mais ça, j'aurais dû y penser avant, parce que c'est vrai que la protection élémentaire, j'en ai pas fait mon fort. Et tout à l'heure, les ennemis de givre qu'on s'est fait, eh ben, j'aurais pu utiliser cet équipement. Ça m'aurait fort aidé. 50% en plus, le calcul est vite fait. Hein, c'est, on divise par 2 les dégâts. Lila. Par ces dons de la mer, nous rendons grâce à Njord. Ah oui, on raconte que Njord aurait calmé les vents et les eaux en faveur des pêcheurs. Depuis lors, il l'adore et le vénère ici. Du stuff, plein de stuff. Hop. Là. Hop. De la thune. Alors là, encore une fois, nous avons. Ah, c'est à nous de nous déplacer pour pouvoir. Ok, nous avons eu le R. Maintenant, il faut se chercher les autres. Ah, alors là, va falloir. Ok, ça marche. On se rapproche encore un peu. C'était ça? Ok, il me reste. Moi, mon père m'aide, donc je fais que d'avancer. Ah oui? Atreus, avec moi. C'est bon, j'arrive. Ça va, tu t'en sors bien, quoi. Il joue pas à ta place quand même, j'espère. Il me reste encore un saut à débloquer. Il est planqué derrière, c'est ça, non? Non, je préfère ça. Ah ok, alors attends, j'ai pigé. Ça, là. Ça, je te le fous. Ici. Et voilà le travail. La mine des géants. Bah la mine des géants, je l'ai passée, non? Alors. Non, ah ok, d'accord, il faut que je fasse la même chose ici, je suppose, parce que je vois qu'il y a du rouge. Avec la pince. Eh bien, c'est quand tu es venu sur mon chat
Pour la première fois, la dernière fois, non, avec l'élévateur après, c'est pas ça? Ah oui, d'accord, on déverrouille le cristal. On débloque. Toujours là, babouille? Est-ce qu'il est toujours là, mon babouille? Waouh. Bon. Ok, super, pas de combat. Alors ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est en attente. Non, ça c'est pas en attente, c'est fait. C'est réussi, on a eu le coffre. Là il y a de l'oseille à se faire, c'est ça? Hop. Ça aussi, non? Ça se démonte ça? Ouais, je démonte tout. L'argent c'est précieux. Ok. Allez. Ah là là, c'était un piège. Mais si tu peux. La tête de ta mur. Comment on descend? J'ai un plan. C'est vrai? N'aie pas l'air si surpris. Mon frère, je doute que même Thor, armé de Mjolnir, puisse traverser cette épaisseur de glace. Alors Thor est un idiot. Voilà qui promet du spectacle. Atreus. Ah, celui-là, il se les prend en pleine tronche. Ok. Encore toi. Je te laisse le temps de rien du tout, mon coco. Je reviens peut-être à la fin. Ok, mon babouille, y a pas de soucis. Gros bisous. Des gros bisous. N'hésite pas. À tout à l'heure. Sinon, bah, à plus tard. On se fait un petit visio. Allez, on s'accroche. On s'accroche. Allez. Un combat de gorille. Voilà, super.
convenable. Comme ça, ça, ça. Ok. Eh ben allons. Mon père m'a dit que si tout se passe bien, il va commencer à faire des lives sur des jeux. Impressionnant, ce combat. Des jeux d'histoire ? C'est la fin de ta phrase ou C'est ce qui s'appelle gâcher une pomme qui était parfaite. Par où es-tu passé ? Il n'y a nulle part où se cacher ici. Ah, ça. C'est un petit tour que mon peuple maîtrise. Une façon de ne pas s'être vu. Tu peux devenir invisible ? En fait, je peux entrer dans le monde... Des jeux d'histoire. Par exemple, vidéo. Si tu mangeais suffisamment, j'imagine que je peux lui dire que oui. Brock a demandé comment j'allais. Est-ce que son haleine sentait les doigts mêlés? Tu l'as laissé toucher à ta hache. Allons voir ça. Brock était dans le temple juste après la baisse du niveau de l'eau. Il est passé entre les royaumes. Allez, silence maintenant. J'ai besoin du silence complet. Ok. Des jeux de rôle, ok. D'accord, donc pareil, faire des streams sur Twitch alors. On dit. Pierre de l'oubli. Ça, il va nous la falloir, la pierre de l'oubli. Hein. Bon, et quand est-ce qu'on trouve notre flamme de glace? Aujourd'hui? Allez, ça je l'achète. Je pouvais pas tout à l'heure, mais 4 flèches, c'est pas négligeable. Et on est à Donf. Et voilà, ça c'est fait. J'aurai dans 30 minutes, mais il n'y a pas de problème, N3. A tout à l'heure. J'espère qu'on se reverra. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Bon, ce plan que tu as... Tu l'as deviné. Te connaissant, il ne doit pas s'agir de rester ici. Correct. Mais comment on va avancer ? Samir, il met vraiment les coups, apparemment. On avait même dans sa barbe. Pour ma part, je trouve qu'il a de l'allure. Enfin, pour un cadavre. Yeah.
qu'il dit, lui ? Oh, les vagabonds. Oh, répugnant. Oh, l'odeur. Sans parler du nombre de bestioles là-dessus. Mais, belle armure. Je vais voir si je peux en faire quelque chose d'hygiénique. Hmm ? Bon, en fait, tu me proposes rien de plus là. Inutile de chercher un prétexte pour me dire. Ok. Ah oui, d'accord. Bah, ça nous a permis d'avancer. Ça nous a débloqué le passage. Là, ça, ici, c'est bon. Est-ce qu'on va entrer dans le bâtiment ? Oui. Tu crois qu'on y trouvera ce qui nous aidera à briser la glace et à attendre la pointe du burin ? Non. Continue à chercher. Il pose trop de questions. Et c'est fort dommage. Allez. Tu feras les configs et lui il jouera. Et bah. Encore un. Ok, bien joué. À toutes. Ensuite. Ici en mission diplomatique. J'ai tenté d'amener Asgard et Vanaheim à négocier un accord de paix. Maudite guerre. Tant de vies perdues. Ce que j'ignorais, c'est que Thor avait déjà entrepris d'exterminer les géants. Vous voulez faire les géants au milieu d'une guerre entre les dieux ? Absolument rien, petit. C'est là toute la tragédie de l'histoire. Ils n'ont jamais pris parti dans cette folie. Mais la paranoïa d'Odin n'a d'égal que la soif de sang de Thor. D'accord, ok. On l'utilisera pour escalader, je suppose. Attends, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris ça. Arrête.
Booste temporairement le Léviathan en ajoutant de petites explosions de dégâts de givre à chaque coup. Ajoute un petit léger bonus d'attaque. Ouais. Ok. Bah non, mais moi j'aime bien celle que j'ai actuellement, donc on va pas. On va pas se refaire. Et ici. Ah, je peux. Ah là là. Ça. Là, je suis ému, là. Là, je suis ému. Vraiment, je vous jure. Là, c'est que du bonus pour moi, là. Et en plus, c'est du bonus de force. Là, je suis vraiment ému. Chance plus 13. Récupération. On y va comme ça. Et non. Et non, ça c'est bon. On est d'accord. Et c'est là aussi où on peut rajouter encore quelque chose en plus. Mais le talisman a pas l'air d'apprécier. C'est dommage parce qu'il y a quand même un plus 6 de force, hein, mais ça baisse des stats. Donc on va attendre d'avoir un meilleur stuff à équiper là-dessus. Ok, ça roule. Non, faut que je descende par là. Non, je suis pas obligé de réescalader la grosse épée quand même. Allez, on y va. Ok. Par là, non. Pourquoi pourrais-je descendre de ce côté-là? C'est bizarre d'avoir d'avoir 2 points d'escalade quand même. Est-ce que il y a un point où il y a un coffre? Bah oui. Évidemment. On commence à les connaître les jeux God of War. Tout comme la tête de Mimir d'ailleurs qui est accrochée à notre ceinture. Hein, c'est un peu le remake de la tête d'Hélios, donc dieu du soleil, qu'on a décapité à main nue et qu'on a accroché à notre ceinture. Il nous permettait de découvrir. Nous permettait de découvrir des zones cachées par la lumière du soleil émanant de ses yeux. Alors, encore quelque chose à découvrir. Waouh. Alors là, là c'est chaud. Eh bien, ce n'est pas un plan très discret. Maintenant, il faut libérer l'autre.
Ok pour ça. Donc nous avons quoi maintenant de beau à faire? D'épaisses couches de glace qu'on ne peut pas faire fondre. Exact. Et il n'y avait pas de cristal d'éclat à proximité sur lequel j'aurais pu tirer, donc c'était pas une option. Exact. Le seul moyen est donc de transpercer la glace, mais il faudrait pour ça un objet incroyablement lourd et... Oh, ça y est, j'ai compris. Bien. D'accord, on ne peut pas tirer de flèche en étant en train de faire de l'escalade. Donc du coup, on monte. Comment va-t-on tourner le marteau pour qu'il atterrisse près de la pointe du burin? Impossible. On va le libérer, descendre avec lui et aviser sur le moment de ce qu'on peut faire. Donc ton plan comporte une bonne part de chance. N'hésite pas à en proposer un meilleur. Ok. Accroche-toi. Bon bah les petits loups, c'est parti. Qu'un petit peu. Bon, comme l'objectif le dit, il faut accéder à la tête du marteau. Car là, c'est un échec. Il est juste rentré en appui sur... Qu'est-ce qui est écrit? Quand le temps lui fait faux bond, le voyageur avance à reculons. À reculons? C'est à l'envers? Ces symboles, ce sont les saisons. Oui, mais tout est dans le désordre. Ça devrait pas être hiver, printemps, été, automne. Pourquoi commencer par l'hiver? Ça vient d'une chanson que mère me chantait. Oh, je la connais celle-là. Hiver! Silence, tête. Il n'aime pas la musique non plus. Compris. Atreus. C'était pas ça. Atreus. Toujours rien. Atreus, quel est l'ordre de la chanson déjà? Hiver, printemps, vas-y. N'a pas marché, mais je sais que c'est dans cet ordre que mère le chantait.
Curieux. Où est la feuille ? D'accord, il n'y a pas la feuille. Donc si on finit par l'automne, ça fait automne, été, printemps, hiver. Et si on met la feuille ici, si on commence par la feuille là. Il y a une feuille ici. Feuille, automne. Hiver. Printemps. Et gris. Atreus, ce mot. Voilà, ça veut dire résiste. Essaie. Écris-le encore. Voilà. Célèbre ! L'énergie fait monter la plateforme. Continue. Voilà. Voilà. Tête, comment est-ce possible ? À mon avis, magie temporelle. Une chose dangereuse avec laquelle les dieux Van aimaient jouer. La capacité de figer le temps. Une des spécialités de Njord, en fait. Aimaient ? Ils le font plus ? Eh bien, il se trouve que figer le temps arrête la course de la lune et du soleil dans le ciel, mais pas celle des loups qui les chassent dans l'espoir d'y planter leur proie. Alors, les dieux ont estimé qu'il était préférable de laisser le temps filer. Je peux pas attendre la base. Prends l'écriture avant que le sol s'effondre. Oh!
travail. Merci. Atreus. C'était seulement pour plaisanter, vieil ours et gris. Allez, on continue. C'était le petit moment dynamique. Comment on va faire pour la dégager ? Pousser. Du live. Prêt ? Cale-toi et pousse de toutes tes forces. D'accord. Malade, tu le sais, ça? Tu vas bien. Tant mieux, on doit avancer. C'était moins une, hein. Faut pas regarder derrière, on est sûr qu'il y a rien derrière. Allez. Il a pas l'air d'envie. Il a pas l'air d'avoir envie d'y aller. Certain talent pour la destruction. Ne l'oublie pas, tête. J'y pense à chaque seconde. Il y en a qui veulent notre peau apparemment. Je pense pas qu'on ait fait plaisir à tout le monde. On a fait pas mal de dégâts. Hein. Allez, en bas. Hop. Qui était avec Baldur, ses neveux. Oui, Magni et Modi, les fils de Thor. Mère disait toujours que les As étaient les pires des dieux, et que Thor était le pire des As. J'imagine que c'est aussi un mauvais père. Ce ne sont plus des enfants. Ils n'ont pas d'excuses. Sindri va s'en sortir ? Ils ne le trouveront jamais. Ensuite. Ah, la grande salle de festin. La fierté de Midgard. C'est drôle, j'avais le souvenir qu'il y avait un immense chandelier. Il donnait vie à ce lieu. Tu ne peux vraiment pas t'empêcher de tout détruire. Non. J'adore. Ah.
je me souviens bien, le trône du Jarl se trouvait juste de l'autre côté de ce mur de glace. Alors, ensuite, ensuite, ce qu'il se passe, c'est qu'il faut... utiliser ça. Ok, bon ça on peut pas l'utiliser. Je crois, ouais. Tu vois une sortie, mais il y a aucun moyen de l'atteindre. Une ruée de sanglier spectro qui piétine l'ennemi sur leur passage. La ruée de sanglier, ok. Un seul dégât en plus. On n'ira pas plus loin. Bon, c'est pas très intéressant. Ça négatif. Ça positif. C'est parti. Joli tir. Tu es plus concentré. Allez, on y retourne. Ah.
Ok. On va jouer. Alors, je pense pas avoir d'autres morceaux de glace à détruire. Donc, on y va. Ces hommes, qu'est-ce que tu sais d'eux? D'abord, ce ne sont pas des hommes, mais des dieux. Enfin, des mythes. En bref, ton père, deux mères, une histoire sordide, Baldur, leur oncle, Odin, leur cher grand-père, oh, et leur sœur, et... Leurs âmes, comment se battent-ils? Oh, bien sûr. Magni est fort, très fort. Il a une immense épée en vue de tonnerre cyclonique. Les maudits, plutôt embrasser un rat que lui serrer la main. Sa masse et son bouclier sont de vulgaires copies de mon travail sur le marteau de son père. Si vous voulez mon avis, mieux vaut l'écouter. Vous vous en fichez, c'est pas vrai. Je peux faire toutes sortes de choses. Bon, ça on peut toujours pas. Ça, ça n'a rien d'intéressant. Ça on peut pas. Toujours pas là, je l'ai dit à temps, mais ça va pas tarder qu'on va pouvoir de toute façon. C'est qu'on aura déjà bien évolué. Hein. Non, rien, non. Par contre, on a un peu d'expérience. Du coup, on peut peut-être... peut-être s'acheter un peu de... Et ça 8, d'accord, mais ça c'est niveau 5. Lors d'une esquive. Concernant la cadence du tir. On va faire ça. On monte énormément les dégâts infligés par les flèches et au corps à corps. 3000. Les dégâts électriques se transmettent désormais d'un ennemi à l'autre. Ça, c'est bien ça.
c'est ça. Et un peu le bouclier peut-être. Le bouclier, on n'a rien fait du tout. À main nue. On y va. Et voilà notre objectif, récupérer un morceau de burin. Parce qu'on arrive au burin. Il y a de la vie. Il y a de la place. Vous le sentez? N3, re. Dépêchons. On peut peut-être récupérer un éclat du burin et nous éclipser avant qu'il nous voie. Toi. Atreus. En toi, le père de tout l'exige. Non. C'est mon combat, Atreus. Va-t'en. Où est-ce que tu vas comme ça? Oh non, mon frère. L'avorton à un arc. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est parti! Allez, les gars! Je fais n'importe quoi pour une AO. Reste derrière moi, Atreus. Pourquoi nous poursuivez-vous? Que veut Odin? Je sais pas, je m'en fiche. Viens là, bâtard. Arrête de te cacher derrière ton père. Tais-toi! M'appelle pas comme ça! C'est fou que tu aies tenu si longtemps.
Tes pauvres bras peuvent à peine soulever. Je t'ai dit de te taire! Calme-toi, Atreus. On dirait qu'ils n'ont pas retenu. Il essaie de te provoquer. Imbécile! Fils de Thor! Les fils de Thor peuvent toujours essayer! Tête! Désolé, je sais, je suis allé trop loin! Ok, c'est à l'inverse. Ah, sauf cette fois-ci. Tu dis que le combat est difficile, c'est ça? Ah, et puis là, je me trompe. Allez, on suit bien les flèches, on se concentre. Ok. Allez. Ah, j'ai eu de la chance. Allez, c'est reparti. Allez, dernière phase.
fièvre est revenue. Non! C'est faux! Atreus. La toux, le sang. Ton fils est malade et il a besoin de Freya. Non! Doucement. Ça va aller. C'est bien, petit. Je vais bien, tu vois. On devrait le surveiller. Légende d'un métal. Un fusée d'éclair utilisé par Thor et ses fils permet d'améliorer les pommeaux infligeant des dégâts électriques. Se trouve aux emplacements indiqués par les cartes au trésor. Cet élément extraordinaire enferme la rage du feu. Flamme de glace. Et ben voilà. Et ben voilà. Le niveau 5 de ma hache arrive. Eh bien écoute, N3, je ne sais pas quoi te dire. Sauf si on n'a pas le même niveau de difficulté de jeu. Moi, je me suis mis en normal, il me semble. Et je suis du premier coup. Du premier coup. Oui, ça l'a fait. Ok. Ça devrait. Avec ça, nous pouvons graver la rune menant à Jotunheim et à votre destination. Et nous pouvons aussi ouvrir toutes les portes fermées par un sceau magique que nous avons vu, comme celle qui se trouve dans ce coin. Tu peux passer cette porte maintenant que tu as le burin. Ok. On peut donc... On peut ouvrir maintenant les portes. Super. Trouve le bon emplacement avec L et appuyez sur R2. Ok. Ok. Tu as tué Magni. Pas qu'un peu. C'était un dieu. Mais il l'a tué. Un as mineur, certes, mais oui. Et son père est Thor. Pas mineur, celui-ci. Pas du tout. Ça ne sera pas sans conséquences, Asgard. Je nous ai défendus. Bien de plus. Je ne crains aucun jugement. Un jugement, non. Mais pour ce qui est d'une vengeance. Depuis quand peut-on tuer un dieu? Ah oui. Oui, effectivement, c'est vrai, il y a quelque chose à faire avant. Alors, on a le... Nous en avons un ici. Nous en avons un... Là, faut bien fouiller, on va pas trop se prendre la tête parce que je suis sûr qu'on peut les trouver assez facilement. Qu'avons-nous là? D'accord, nous revenons ici.
Mais ça me déverrouille pas mon coffre. Ok, je peux descendre là. Est-ce que ça me donne un angle sur d'autres sauts? Où sont-ils? Où sont-ils? C'est quand même étrange qu'on puisse venir ici sans trouver quoi que ce soit à détruire. Un éclat de glacier éléen. Il permet d'améliorer le charme des tempêtes infinies. Ok. Ouais, ça c'est ouf parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose dans le coin. C'est sûr, mais où? Tiens, N3, tu sais, non? Tu l'as déverrouillé, ce coffre? Cherche dans le vent ou pas, là? À moins que je t'ai déjà rattrapé, mais ça m'étonnerait. Peut-être que tu l'as pas farmé, ce coffre-là, je sais pas. Il y a une énigme, non? Parce que je vois qu'il y a plein de... Ah, ok. J'en ai trouvé un autre là-bas. Et il était très subtil. Très, très subtil. Donc, tu ne fermes pas les coffres. D'accord, oui. Ceci explique aussi la vitesse à laquelle tu joues. Eh bien, moi, je vais le farmer jusqu'au bout, celui-là. Je veux le dernier saut. Il m'en manque un, mais où est-il? Où est-il? Avec un N. Je suis sûr que c'est tout con. Je suis sûr que c'est tout con, c'est encore une cachette à deux balles. Que limite, celui que j'ai trouvé juste avant, c'était le plus dur, mais que les autres... Quand je vais le voir, je vais me dire, ah oui. Ah oui, c'est vrai, il était là. Mais là, pour le voir... Ça reste un... Un grand mystère. Mais je le veux. Je le veux. Je pense pas qu'il ait quoi que ce soit de caché derrière cette petite plaque. Je pense pas qu'il soit tout en haut de la montagne non plus parce qu'il faudrait le voir. Ça m'agace. Et d'ici, on n'a pas un bon angle de vue, non, on peut pas avoir grand-chose. Hein. Rien qui brille de l'autre côté. Dans le mur, là, il y a pas, parmi les petits picots qu'il y a là dans le mur, il n'y a rien non plus qui... Parce qu'il y avait bien celui derrière le masque, mais...
très embêtant. C'est très 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 embêtant. Tiens, déjà. Ça m'étonne qu'il n'y en ait pas un caché dans la roche. Ils sont assez malins pour nous en planquer comme ça sur le côté. C'est vraiment une question d'angle. Une fois que tu as dépassé l'angle, en fait, c'est ça, non? Ce serait pas ça là-haut? Ah si, c'est ça là-haut. Ok. Voilà, ça en vaut là, tu vois? Tac. C'est fait, t'es content. Ah oui, c'est même pas un... Ah. C'était même pas... Même pas quelque chose de ouf, c'était que de l'argent. Allez, sans plus attendre. On enchaîne un petit peu parce que la fin du stream approche. L'heure tourne. Hey, on est déjà venu ici, mais comment repartir ? On l'a ouvert ça ? Bah pour moi oui, on l'a ouvert, mais d'ici on a l'impression qu'il est... Ok. Mais oui, l'amélioration de la hache. Et voilà le travail. Ah non, elle n'a pas encore monté ? Eh bien écoutez, ah oui, il doit lui rester un niveau, niveau 6. Niveau 6, il nous reste une flamme de glace à débloquer. Lui, il n'a pas son... objet pour. Là, pareil, ça c'est... Comme d'habitude, ça stagne. Mais il nous reste encore la pierre de l'oubli à débloquer. Pareil pour ça, il nous reste une larme de dragon à débloquer aussi. Là, il n'y a rien d'intéressant. Donc... C'est quoi l'objectif? Retourner au bateau. Faut faire demi-tour? Ah oui, mais oui. Mais c'est bon, j'ai compris, il y a une porte ici, donc on va... Je n'ai pas l'impression que le petit aille bien. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Dans ce cas, ne traîne pas. Oui, père. Et de 1. Et de 2. Non, c'était pas là. Ah. Que les As trouvent eux-mêmes la voie du Valhalla. Pas de Valkyrie en escorte, pas de traitement aux portes des Limes. C'est peut-être un signe. Pouvons-nous en ramener une avec nous? C'est la question que je me pose.
Ça a fonctionné, mais... Non, ça n'a pas fonctionné. D'accord, ok. C'est parce qu'il y en a ici. Je pense que réussir à passer... à passer ce petit cristal explosif par la porte, c'était cheaté. Je pense pas que j'aurais dû réussir à faire ça, mais bon. Ok. J'ai également compris. Mais à quoi ça va me servir? Je n'ai pas ça encore. Je ne l'ai pas encore saisi par contre. Donc ça. Ça. Mince. Il m'en manquait un peu. Demi-tour. Regardez, on est de retour à la main du géant. Mmh. Attends. Les pêcheurs débarquaient à la prise du jour dans ce port et utilisaient cette chose pour en envoyer une partie directement aux cuisines du Jarl. Le reste était trié et vendu. Il y a une sortie sous le pouce. Trouve un moyen de passer. Ok. Une sortie sous le pouce. Alors, déjà. Ça, ça ne fait rien du tout. Mmh. Là... Rien, là ici oui, ok, il y a quelque chose. De ce côté-là. Ouais. Là je peux grimper. Et là je peux pas grimper. Ok. Donc. Il y a une ouverture. Je peux l'attendre. Il y a un chemin vers la sortie de l'autre côté. Ah, deux secondes. Oula, il y a mon casque qui bourdonne. Ah, c'est mieux. Non, je vais faire une connerie. Ok. Donc, ça sera à faire en deux temps. Pardon. Thank you.
D'accord. Le coffre. Ici. Ici. Et j'ai pas pensé à regarder ce qu'il fallait que je fasse. Est-ce que la sortie est par là? Eh oui. Et voilà, monumentale erreur de ma part. J'aurais dû regarder avant, dans le passage. Non, j'ai plus besoin de faire ça. Là, faut que je remonte la nacelle. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, c'était rien du tout, en fait. C'était rien du tout. Donc, il faut juste se contenter d'aller vers la sortie. Non, c'est pas ici. Un petit coup par là et j'ai cru voir. Non, c'est pas ici. Et un petit coup par là. De retour sous sa main. Nous y sommes presque. Ah oui, je me demandais qu'est-ce qui me parlait. D'accord, ça c'est ce que j'ai déjà fait apparemment. Il y a quelque chose là-haut. D'énormes progrès. Merci. Et bien voilà, on est de retour au bateau. Là-bas. Ah oui, on n'a pas fait ça. Bon, un peu court. D'accord, donc ce que j'en sais, c'est que les brèches se referment. Une ici. Une ici. Et une ici. Ok.
La chambre cachée d'Odin. Zone secrète, ok. Alors, la première. La première de ces chambres qu'on visite. En quoi ça consiste ? Là, Atreus. Il y en a un autre. Ah, tu le reconnais, n'est-ce pas ? C'est un mur, le géant tailleur de pierre. Il construit un mur autour de Jotunheim. Ce devait être son chef-d'œuvre. Il cherche bien. Je suis prêt. 6 sur 11. Ok. Là. Ok. Donc, j'ai bien l'impression qu'il faut y aller. Cela expliquerait l'imposant verrou magique à l'extérieur. C'est pas seulement ça. J'ai comme l'impression que quelque chose nous attend. Tu as un don pour les annonces dramatiques, petit. Quel genre de choses ? Je sais pas. Quelque chose de puissant. Quoi que ce soit, Atreus, nous le surmonterons, comme nous l'avons fait jusque-là. Oui, père. Allez, je pense, pour ma part, que nous allons faire ce lieu, sauf dans la mesure où ça va vite. Mais étant donné l'heure qu'il est, allez, tac, je reviens dans une petite minute. Allez, on est reparti. Voyons. Voyons de quoi il s'agit. De la vie. La Valkyrie. En prison. Alors, c'était vrai. Une Valkyrie. Mais je croyais que c'était des esprits. Soyez prudent. Une Valkyrie en chair et en os. Je ne connais pas d'adversaire plus redoutable. Elle ne nous attaque pas. Il ne nous a peut-être pas vus. Bon, elle est forte. Aïe.
et je n'ai aucune possibilité de me soigner. Alors on va se battre jusqu'au bout les gars. On y croit, j'entends de loin vos encouragements. Et on a fait... Et on a fait la moitié, on est mort. À cause de cet enchaînement encore. Allez les gars, allez. Voilà, bon là ça l'a pas fait. Bon, on a vu un peu le... Aïe 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 aïe. Reste là, reste là, reste là. Ah non, je repars avec ma pierre. Bon, tout à l'heure j'étais un peu plus loin. Ah, j'arrive pas là. Mince. Bon. Dans tous les cas... Dans tous les cas, on a deux chances. Faut que j'arrive au moins à venir à la moitié de sa vie avant de perdre.
Ah, j'arrive. Cypher, salut. Non, je suis sur PS4. Comment vas-tu? Impossible à contrer, c'est pas possible ça. C'est dur, c'est très très dur. C'est impossible les gars, c'est impossible. C'est impossible. Pas tout de suite en tout cas, pas tout de suite. Il faut beaucoup plus de force. Donc, encore une fois, c'est un échec qui s'annonce. Évidemment, si j'ai le droit de faire demi-tour. Mais il me semble que j'ai le droit. On y reviendra bien plus tard. Et maintenant, Freya devrait peut-être jeter un œil au garçon. Non, je me sens mieux. Je dois juste reprendre mes esprits. Où est-ce qu'on va? Maintenant que nous avons le burin du géant, nous devons découvrir la rune qui mène à Jotunheim pour la graver sur la porte spéciale, sur le pic.
et ainsi ouvrir le passage vers le royaume des géants. Tu la connais pas ? Hélas, non. Mais le serpent a dit que les géants avaient confié ce secret à Tyr. Tyr n'est pas mort ? Si, mais son tombeau secret est à notre portée. L'entrée se trouve sous son temple qui était recouvert par le lac depuis des générations, jusqu'à ce que notre ami le serpent se décide à bouger. C'est là que nous trouverons la légendaire rune noire de Tmal. On pourrait aussi continuer d'explorer. On a trouvé le Durin et le tombeau va pas s'envoler. Ce serait dommage de pas se servir du bateau. Nous verrons, mon garçon. Bon, au début, j'ai esquivé tous les coffres. Les tonneaux. Qui sont dans l'eau. Tu t'es arrêté au milieu de l'histoire l'autre fois. Mais faut pas. La sorcière Groa avait constitué une bibliothèque rassemblant le savoir des Arcanes, espérant accroître son pouvoir et retrouver son époux. Mais ce ne fut pas son époux qu'elle vit dans ses visions. Au lieu de cela, Groa, qui était parvenue à voir plus loin que quiconque fut. Alors, fut témoin du Ragnarok, la fin et le commencement. Lorsqu'Odin eut vent de son ultime prophétie, il manœuvra pour s'approprier son savoir et l'utiliser à ses fins. Odin faisait depuis longtemps appel au service de Roa. Aussi l'accueillit-elle dans sa bibliothèque en un. Ce qu'elle ignorait. Sens de notation, par la gauche. Était qu'Odin lui-même était responsable de la disparition de son époux. Il avait en fait utilisé ses pouvoirs afin de lui cacher sa mort des mains de Thor. Dans un rictus, Odin la saisit à la gorge et lui ôta la vie de ses propres mains avant de s'emparer de toute sa bibliothèque. Je savais qu'Odin était mauvais. Et c'est... Impitoyable, sauvage, tyrannique. Tel est Odin. Nous devrions nous asseoir ici en silence. Oh, le tombeau de Tyr est derrière cette porte magique. Ça chauffe là. Un petit coup là. Ok. Wouah, j'arrive pas à croire qu'on entre dans le tombeau de Tyr. Encore un de ces trucs. Ouf. Quelque chose, là-bas. Et là, on sort de l'autre côté. Ok. Tyr était un dieu, pas un géant. C'est vrai, mais il était aimé de tous, même des géants. C'est le seul avec moi à qui ils aient accordé le don de clairvoyance. Je me demande si les géants ont laissé un triptyque sur moi quelque part. Vas-y. En fait, viens voir. Je vais te montrer comment ça se lit. Ce n'est pas nécessaire. Tu m'as appris tellement de choses. À mon tour pour une fois. Atreus. Allez, tu me parles déjà. Apprendre à lire sera un jeu d'enfant. Je sais déjà lire, mon garçon. Mais pas cette langue. Alors t'as fait la moitié du chemin. Bien. Les runes représentent un tas de choses différentes. Des dieux, des animaux... Des... Attends. Oh, je vais trop vite. Désolé. Non, c'est pas ça. Tu ne sens rien. Oui, c'est vrai. Comme une odeur de... De pluie. Tu as tout gâché. J'ai mérité ce maudit marteau. Et maintenant,
Tout le monde va croire que je l'ai récupéré parce que Magni est mort. Je vais être la risée de tous. Mais si je te tue, personne ne se moquera de moi. Ah, idiot. Tu tiens ça de ton père ou tu crois que ça vient de ta mère? Elle était bête en plus d'être laide. Mais je vais apprendre à te connaître sur le bout des doigts. Tu vas devenir mon nouveau frère. Dès que j'en aurai enfin terminé avec ton père. Oups. J'y suis allé un peu fort. Allez, on y va. Atreus. Tu dois l'emmener chez Freya sans plus tarder. C'est sa seule chance. Moi, Atreus, c'est très mal au point. Ok, bon. Il m'impose un peu le chemin. Prends le bateau. Freya n'est pas loin. Et le temps a bien tourné dans le jeu. D'accord, donc notre but est d'aller voir la sorcière. Ok, tout droit. Je dois aider Atreus. Inaccessible. C'est notre meilleure option. Et si quelqu'un peut le guérir, c'est elle. Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai vu ça chez certains mortels. Les conflits de l'esprit peuvent se manifester par des mots physiques. Je ne l'avais jamais vu chez un dieu, mais un dieu qui se croit mortel, ça ne me surprendrait guère. Nous y sommes presque.
très mouvementé le jeu là en ce moment. Là on commence à rentrer dans une phase où il y a un peu de... c'est un peu drama quand même là. Voilà, et là il y a la porte qu'il n'y avait pas tout à l'heure. C'est très urgent. Je suis toujours une déesse. Allez-vous-en. Mon garçon est malade. Freya. Il est malade. Entre vite. Ce n'est pas une maladie ordinaire. La vraie nature de ce garçon, ta vraie nature, se bat en lui. C'est ma faute. Tu vas m'aider. Bien sûr. Il existe un ingrédient rare qu'on ne peut trouver qu'à Helheim. Le gardien qui protège le pont des damnés. C'est son cœur qu'il me faut. Helheim. Le royaume des morts, tu le connais? Pas celui-là. Un froid glacial règne sur ces terres. Le feu ne peut y brûler et aucune magie dans les 9 royaumes ne peut y produire une étincelle. Quant aux morts, ta hache de glace ne servira à rien. Il te faut autre chose. Je dois retourner chez moi. Déterrer un passé dont j'avais juré qu'il resterait enfoui. Peu importe qui tu étais avant. Cet enfant n'est pas ton passé, c'est ton fils. Et il a besoin de son père. Cette rune ouvre le pont vers Helheim. Quand tu seras là-bas, ne traverse sous aucun prétexte le pont des damnés. Nul ne peut en revenir. Tu as compris? Atreus. Aimé. Tu dois te dépêcher. Dans mon jardin, un chemin te mènera à ma barque. Prends-la, retourne chez toi. Déterre ton passé. Fais ce que tu as à faire, mais apporte-moi le cœur de ce gardien. Ton fils vivra peut-être. Pars. Freya. Lors de ma dernière visite... Non. Tu as raison de ne pas faire confiance à la parole des dieux. Inutile de te justifier. Pas auprès de moi, pas pour ça. Je veillerai sur lui. C'est la promesse d'une mère. Allez. Et voilà, mes petits chéris, c'est bon pour moi. Ça ira bien pour aujourd'hui. On a déjà fait un beau stream encore cet après-midi. On a bien avancé. Je sais pas ce que t'en penses, N3, si t'es toujours là, par rapport à où t'en étais. Mon bateau est au bout du chemin. Va, le temps presse. Donc, c'était pas mal. C'était pas mal, on a bien avancé. Là, ça se mouvemente un petit peu, mais on va vite résoudre ça. Alors, j'espère avoir bien avancé dans le jeu, je sais pas trop où j'en suis. Hein, par rapport à ce que je disais ce matin, j'annonçais une fin de jeu pour, si possible, la fin de semaine prochaine, mais j'arrive pas à me baser. Donc, au feeling, les gars, au feeling. Ceci dit, comme d'habitude, le petit point rendez-vous YouTube, pour pouvoir follow et replay les anciens épisodes de God of War, Insta, pour tout ce qui est post-musique, post-jeux vidéo. Je me suis trouvé deux jeux récemment. Resident Evil et Streets of Rage 4. Très sympa. Et comme je l'ai publié, ça viendra. Ils sont en file d'attente.
Donc, pour ceux qui sont intéressés, ne pas hésiter à attendre que leur tour arrive. Un follow Twitch, follow YouTube et Insta. Merci à N3 pour ta présence. Merci à Babouille pour sa présence. Rendez-vous demain si vous voulez, les gars, si vous le pouvez. À tous ceux qui regarderont ce replay et qui sont peut-être là en Stranger. N'hésitez pas également à poursuivre la suite des aventures de Kratos à God of War. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé. C'est Loserband et rendez-vous pour la suite, épisode 9, demain. Allez, ciao, bye. Bonne soirée à vous.